Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un shooting un petit peu inhabituel. Il y a quelques temps, j'avais déjà fait des photos au supermarché V2, au centre commercial V2, quand j'avais testé l'homographie, je pense que c'était la Berlin, la Potsdam, l'une des deux. Et à cette occasion, j'avais aussi fait quelques photos à l'Ektachrome et avec aussi un 35 mm en couleur. Et j'avais vachement aimé ces photos. Et là, je me retrouve dans une situation, on est au printemps, et j'ai plein de films 120 à liquider, soit des films qui vont périmer, soit des films que j'ai pas eu le temps de shooter, et j'avais envie de les shooter dans un projet photo un petit peu cohérent. Et ça fait longtemps que j'ai envie de travailler sur les zones commerciales, les zones, zones de supermarché, hypermarché, etc., notamment le dimanche quand il y a personne, sur l'architecture et l'ambiance un petit peu étrange de ces zones-là. Et je me suis dit que ça pouvait être mon projet de ce printemps. Donc on se retrouve pour la première vidéo de ce projet. J'aimerais bien documenter ça aussi en vidéo. J'ai avec moi le Pentax 6-7, mes trois objectifs, le 90, le 55 et le 150, et du film. J'ai de la Cinestill 50 qu'il faut que je shoote aujourd'hui parce qu'elle périme en janvier, on est en mars et ça se conserve pas très bien comme film, donc il est temps de la shooter, et de la Lomographie 400. Donc je pense pas que je shooterai tout ça aujourd'hui, mais on va commencer petit à petit ce projet aujourd'hui avec ces films là. C'est parti. Je suis assez content de cette première image, on voit bien l'effet de compression sur les lignes avec le 90 mm et le format 6-7. J'aime bien aussi le fait que les caddies soient asymétriques et j'aime beaucoup les couleurs, le bleu, le vert, le rouge, on a une sorte de petite palette. J'ai pas fait attention quand j'ai pris la photo, mais il y a le logo sur la droite de Carrefour et tout ça qui me dérange un petit peu. Mais c'était la première et je trouve que c'est une photo pas trop mal pour l'échauffement, la mise en jambe de ce petit shooting. Je pense que je vais tout de suite passer sur mon grand angle. Là. Alors le grand angle, c'est vraiment un monstre, surtout avec son porte-soleil 55-35, mais sacrée bestiole. Avec cette image, j'ai voulu jouer sur l'aspect de profondeur et la ligne des différentes vitrines. J'aime bien le reflet dans la droite de l'image qui reflète le parking et l'exposition, la lumière qui tombe sur la gauche de l'image, sur les bancs. Le petit détail qui me dérange, c'est la personne qui était là-bas au bout. C'était deux jeunes qui faisaient du skate, profitaient aussi du côté désert du supermarché. Mais je trouve que c'est pas trop dérangeant par rapport à l'ensemble de l'image. Encore une fois, il y avait quelque chose dans les couleurs des caddies, l'équilibrage avec le ciel, la lumière douce. Je trouve que la Lomo 400 a vraiment un côté assez saturé qui a plutôt très bien marché avec justement ces différents éléments coincés comme ça dans le vide du parking. Je trouve que c'est quelque chose qui rendait assez bien et je me suis pas mal concentré là-dessus. J'étais assez dubitatif quand j'ai pris cette photo, mais finalement, j'en suis plutôt content. Je trouve qu'il y a un côté étrange à cette nature morte de supermarché, de bout de parking, des courses qui sont tombées là et qui y sont restées pour on ne sait quelle raison. Il y a une sorte d'histoire inconnue derrière que je trouve assez intéressante et j'aime beaucoup le jeu des textures, des couleurs, l'absurdité aussi de cette photo, de ces différents éléments qui n'ont pas forcément grand sens, ni ensemble, ni séparément, ni dans le lieu où ils sont abandonnés. Et je trouve que c'est assez intéressant dans l'esthétique et dans le propos que je veux avoir sur ce projet d'avoir ces courses, ces victuailles achetées et totalement abandonnées par leurs propriétaires sur le parking.
Cette photo, je l'avais en tête dès que je suis arrivé sur le parking, que j'ai vu toutes les portes de ce magasin feu vert. Il y a juste une chose, deux choses qui me dérangent dans l'image, c'est que le grand angle était tellement grand que j'ai mon ombre dans le coin à droite et il y avait l'ombre de la camionnette qui était sur le côté que je pouvais pas enlever. Et je trouve que c'est dommage parce que je pense que la photo aurait été un petit peu mieux peut-être au téléobjectif et là j'aurais dû changer et mettre plus loin plutôt que de travailler avec le grand angle, parce qu'avec le téléobjectif je pense que j'aurais pu enlever ces deux éléments. Mais c'est pas grave, malgré tout l'endroit est pas très loin de chez moi, je peux retourner faire la photo si j'en ai envie. Et je pense que cette photo, c'est ma préférée de toute la série. Je sais pas pourquoi, mais j'adore les couleurs, j'adore les différents éléments de la petite caméra, les chariots, le petit poteau. C'est vraiment ce côté que je veux avoir dans cette série sur ces parkings de supermarché, ces éléments qui font pas de sens. Il y a un côté un peu absurde à ce truc de caddie sur l'arrière de bâtiment qui est filmé par une caméra. Je trouve que ça montre beaucoup de choses et surtout là, c'est entièrement vide, un dimanche, ça ne sert à rien, c'est une structure qui est totalement inutile. À vrai dire, j'ai fait une deuxième photo aussi, sur un pan beaucoup plus large, où on voit aussi la camionnette de livraison, et c'est vraiment mes deux photos favorites de ce shooting. Je suis content de l'avoir doublé, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance, un je ne sais quoi, qui correspond exactement à l'esthétique que je veux dans le travail photographique sur ces espaces. Ces photos, c'était mes dernières du rouleau de l'Homo 400, donc après coup, j'ai chargé la Cinestyle 50 parce que j'avais vraiment envie de la shooter. Je sais que c'est une pellicule qui se conserve pas trop et j'ai pas forcément envie de la laisser se périmer, donc même si la lumière commençait à baisser, j'estimais que j'avais encore suffisamment de lumière pour shooter la Cinestyle et je voulais voir un petit peu ce que rendaient les couleurs de la Cinestyle 50D dans cet environnement-là, puisque la Cinestyle est un petit peu plus douce, plus froide, moins saturée que la Homo 400 et ça m'intéressait aussi d'avoir un autre rendu colorimétrique pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Cette photo elle est un peu dans le même esprit que la précédente et je pense que ce que j'aime dedans c'est le côté un petit peu abstrait de la composition, l'équilibre à la fois entre les couleurs et les différents éléments graphiques, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la plupart de mes photos, que ce soit de l'architecture ou comme ça de la photo d'environnement, c'est l'équilibre entre ces différents environnements, rendre l'environnement un petit peu comme un ensemble de formes géométriques au travers de la composition. Et je trouve qu'au fur et à mesure de shooting, j'ai réussi à faire ça de mieux en mieux depuis les premières photos jusqu'à celle de la fin. Cette image, c'est un peu le pendant de la première que j'avais fait de l'autre côté de la galerie marchande, mais je la trouve beaucoup plus réussie, tout simplement parce qu'il y a le petit détail du jeune homme qui, tout au fond, fait du skateboard vraiment point de fuite de l'image, et je trouve que ça rend beaucoup mieux par rapport à la première image où il est sur le côté. J'ai attendu un petit peu plus, j'étais un petit peu plus patient, et je préfère vraiment cette photo, même si le point de vue est un petit peu le même, à la précédente que j'avais faite. Je trouve que ce petit détail fait un petit peu tout. Une autre composante avec laquelle je voulais travailler, c'est justement le vide de toute l'architecture et la grandeur de l'architecture. C'est pour ça que je voulais travailler au grand angle, c'est ce que j'ai essayé de faire dans les photos suivantes, de montrer, voilà, de jouer sur l'échelle de cette partie entièrement plate, des différents éléments qui constituent le supermarché et ce parking vide avec la lumière qui commençait à baisser. Ça a vraiment donné des photos que je trouve intéressantes, à la fois d'un point de vue de leur composition, mais également de la point de vue lumière et des différents éléments entre cette grande esplanade de vide et ces différents éléments comme laissés à l'abandon temporairement avant de reprendre leur vie normale, leur activité classique.
fois n'est pas coutume, c'est à la fin de la sortie que j'ai vraiment fait mes photos favorites. Celle-là en fait partie. Alors, c'est dû aux couleurs. J'aime bien aussi le fait qu'avec le 6x7, on a un détachement du sujet de la canette de coca qui est vraiment très très fort, même si on devine encore l'environnement à l'arrière. Je trouve que les couleurs et la lumière sont vraiment très très jolies. Il y a une sorte d'ambiance un petit peu étrange de cette photo, sachant qu'en plus c'était juste voilà, une poubelle qui déborde. Des fois on peut faire des photos qui sont intéressantes d'un point de vue composition, couleur, etc. avec des choses qu'on n'aurait pas photographiées comme ça en n'y pensant pas. Mais c'est vraiment une de mes photos favorites de cette série. Et la deuxième que je fais en fait pour terminer le rouleau, c'est cette image que je trouve aussi assez marquante, d'avoir cet arbre totalement dépouillé, totalement seul dans ce parking qui n'est pas du tout un endroit naturel d'une certaine manière, et en plus c'est encore l'hiver donc il n'a pas encore de feuilles, et l'effet de profondeur de champ qui va juste permettre à l'arbre de se détacher très légèrement du fond, qui serait impossible à avoir avec un appareil photo 35 mm. Là j'étais repassé avec le 90, donc on a juste cette toute légère profondeur de champ qui permet à l'arbre de se détacher du reste, qui le fait ressortir et on fait le sujet principal de l'image. Je trouve que c'est vraiment la raison pour laquelle je shoote du moyen format et principalement du 6x7, c'est pour cette profondeur de champ et cette versatilité de mise en place et de mise en scène de notre sujet. Et vraiment, cette photo, je pense que c'est ces deux dernières photos, c'est vraiment mes deux photos favorites de cette journée. Résultat des courses, déjà il fait hyper froid, je pensais pas qu'il faisait si froid, c'était un peu difficile de se concentrer, mais je pense avoir quelques bonnes photos. Alors j'ai fait 20 photos, je vais pas non plus faire 40 milliards de rouleaux, surtout que je sais que ici ça reste un centre commercial qui est relativement petit, et il y en a d'autres que je veux faire dans la région qui sont beaucoup plus grands et qui sont un peu plus un peu plus différent dans leur architecture, qui propose un petit peu plus de choses. Mais là, c'était un petit peu mon échauffement, ma mise en jambe pour le projet, voir si en termes de photos, il y avait des choses intéressantes. La lumière était vraiment chouette aujourd'hui. Donc j'espère que les photos vont bien rendre et que ça va être intéressant en termes d'esthétique. Voilà, il n'y a plus qu'à porter ça au labo et puis attendre de voir les résultats. Au final, je suis vraiment satisfait des différentes images que j'ai eues. Alors, entre les deux pellicules, la Lomo 400 est un petit peu moins fine, un grain un petit peu plus présent, même si en 6-7, ça reste tout à fait acceptable. Et des couleurs aussi un petit peu plus saturées. J'ai trouvé que la pellicule de Cinestyle est un petit peu plus douce dans ses couleurs, a aussi un équilibrage des couleurs un petit peu différent. C'est un rendu un petit peu plus cinématographique, ce qui est normal puisqu'au départ c'est effectivement de la pellicule de cinéma, mais comme j'ai plein de rouleaux 400, de Lomo 400 et peu de Cinestyle, je pense que je vais rester à la Lomo 400 pour la suite de ce projet, mais c'était intéressant de pouvoir aussi comparer les deux types de rendus de ces pellicules. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu de m'accompagner sur ce shooting, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé des photos dans les commentaires, et puis moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo.